Chaque soir, ma chère Roselyne, une actu a attiré votre attention. Ça s'appelle l'œil de Roselyne. Thomas, ma chère Roselyne. Thomas, on critique la jeunesse. Oui. On dit qu'elle n'est pas capable de se dévouer, qu'elle n'est pas capable de se consacrer à des grandes causes. Et ben moi, j'ai trouvé 5 lycéens de Montauban au lycée Michelet qui ont décidé vraiment de mouiller la chemise pour une vraie cause. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, voilà. Ils ont décidé qu'il fallait que le mot chocolatine et non pas le mot pain au chocolat soit dans tous les dictionnaires, pas seulement dans le Larousse et dans le Petit Robert. Et ils ont écrit à François Hollande, ils ont écrit au président de la République pour dire il faut que le mot chocolatine soit accepté par l'Académie française. On dit que les jeunes ne sont pas capables de se dévouer. Eh bien, mesdames, messieurs, j'apporte ici la preuve inverse. La preuve des contraires. Alors, ce qu'il faut préciser, effectivement, quand même, c'est que le mot chocolatine... C'est le mot qu'on utilise dans le sud-ouest de la France pour dire pain au chocolat. Quand vous arrivez dans une boulangerie à Biarritz, par exemple, vous dites « je veux un pain au chocolat », on vous regarde comme ça, on dit « t'es pas d'ici ». Une poche. Oui, c'est vrai. Précise que l'émission n'est pas sponsorisée par Jean-François Copé. Hein, non, surtout pas, qui mettait les prix assez bas. C'est comme quand vous demandez du Kramik à Paris. C'est quoi le Kramik? Ah ben voilà. Je suis sûr qu'il y en a... Qui sait ce qu'est le Kramik ici? Voilà, je vais y aller, je vais vous laisser. Merci beaucoup. C'était Stéphane Fesch, mesdames, messieurs. Le Kramik, c'est un pain belge. Ouais. Avec des raisins. D'accord. C'est un pain au raisin, quoi. C'est un pain au raisin, oui. Alors, un Kramik. Ah c'est un Kramik. Parce que c'est pas un pain au raisin, ça a une mie différente. Et alors, c'est donc, extrêmement si c'est belge, ça veut dire que dans le nord de la France, on peut éventuellement. Vous dites du Kramik dans le nord de la France, ils comprennent. C'est comme demander un partoche à Paris. C'est quoi, je sais pas ce que c'est, ça n'existe pas. Mais si tu demandes, les gens ne savent pas.